Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je partage avec vous, eh bien, le cycle du business. Comment vous faites un business, eh bien, est tout simplement créé et quelles sont les étapes dans un business. Donc, le cycle un peu du business. Eh bien, le business, déjà, il faut comprendre que ça part d'une idée. Et cette idée, ensuite, elle doit être vue, elle doit être, eh bien, aperçue, observée, impacter bah, beaucoup de gens et beaucoup de personnes, donc avoir de l'attention. Ensuite, cette idée, elle doit pouvoir tout simplement eh bien, grandir, s'étendre. Et pour grandir, s'étendre, il faut de l'attention, mais il faut également de l'intention. L'intention de faire ces actions qui doivent être requises pour étendre. Troisième chose. La quatrième chose, cette idée doit avoir une solution, doit répondre à un problème. Donc il y a l'attention, là, l'intention. Mais également la solution. Donc ça répond à un problème. Ensuite, cette idée doit être présentée au monde, et doit être présentée aux gens, et doit être vendue. Donc là, on passe dans tout simplement la vente. Ensuite, cette idée, elle doit être closée, conclue. Donc il doit avoir une conclusion de vente pour que la vente se réalise. Et enfin, cette idée, ce business, il doit être tout simplement. Eh bien, continuer, il doit continuer à rester en contact avec ses gens, avec ses clients. Donc, si vous restez en contact avec vos clients, vous avez ces clients à vie. Donc, cette idée doit toujours rester en contact, à trouver de nouvelles personnes ou à rester avec les personnes ou les clients que vous avez aujourd'hui qui ont généré, qui vous ont permis de générer tout simplement de l'argent pour continuer à faire étendre votre business.